Peut-être. Avant de venir nous sommes du même signe astrologique. Tu compares quoi? S'il te plaît, reste dans ta vie de fille aigrée et épargne mon nom. Je sais pas si tu me comprends. Maman, lâche-moi. Je n'ai pas 50 000 à te donner. Maman, chérie. Je n'aime pas. Je suis rentrée, je suis tellement fatiguée. Dis-moi les 50 000. Serre-moi un bon plan avec un bon plan de jus de fruits. Je ne dégage pas. Lâche-moi. Tu vois, c'est ça la vie. Maman, quand ta vie donne, sans les encouragements de ta maman. Et qu'est-ce que tu en as? Je sais pas, arrête de pleurer. Une situation avec. Ne désespère pas, ne te soucie pas dans l'autre maison. Je sais pas, va à l'église, va prier. Peut-être qu'il va faire une erreur pour toi et les choses vont changer. Je sais pas, peut-être t'amener, je sais pas, un poussin qui va vouloir finir les jours avec toi, je sais pas. Eh, oh, à la santé. Maman, regarde ma montre, elle a un nom. Oh là là, elle est très jolie. Elle est pas belle, la vie. Elle vaut la peine d'être vécue. Bonsoir. Bon appétit. Elle reviendra d'ici peu. Mambo, c'est comment? Tu pars déjà? Peut-être que je vais faire la demande de mariage. Mambo! Je vais très loin de vous. Je ne savais pas qu'épouser votre fille signifiait endosser tous les problèmes de votre famille. Alors je pense qu'il n'est pas trop tard pour faire machine arrière. Okay. Non, donc, il est temps que je m'en aille au bon moment. Chérie, non, attends, je vais. Pardon, viens s'il plaît. Oh, bingo, Rasson, hein? Oui, chérie, pardon. Hey. Oh. Maman, elle est partie. Hein? Tu fais comment? Quoi, va le rattraper, non? Tu veux me dire que tu fais comment? Que tu fais comment? Comment? Avec l'application mobile Vouri TV, vous pouvez regarder les meilleurs films et séries camerounais et africains du moment. L'application mobile Vouri TV est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et Apple Store. Donc, quand tu seras à la maison ce soir, n'oublie pas de lui dire qu'il est viré. Je pense que tu seras... Mon mari nous a souvent dit qu'il est un homme qui babade beaucoup, non? Madame, c'est moi. Je ne fais pas exprès. Hey. Mais comme je t'ai fait réveiller un homme dans ma vie, là, je sais pas. Je trouve vraiment les relations avec ce pays. Si tu dis à ton bâton de commandement que tu es entre les jambes là, essaye pour voir. Mais c'est la prise d'otage. Elle était censée faire quelques jours avec mon mari et me le rendre. Et Dieu, il dit qu'il me faut encore 100 000 francs pour compléter cet argent afin d'acheter mes mèches péruviennes. Sans oublier mon sac Chanel que j'ai consigné. Ah. Ouais, papa God. Je ne sais pas si c'est le Congo ça qu'on fait souvent sur toi, ou c'est la vérité, ou c'est comment. En tout cas, j'entends souvent dire qu'on dit que tu avais dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Il est temps, oh. Pardon, descends, tu m'aides à compléter l'argent, si. Pardon, descends, moi, il veut mes mèches. Sans oublier mon sac. Pardon, descends seulement.
Ça, c'est quel genre de comportement, ça? De quel? J'ai croisé Anna Angou tout à l'heure. Elle était en larmes. Elle me dit carrément que tu as refusé de lui remettre l'argent qu'elle t'avait donné de garder. Et elle te raconte tout ça pourquoi? Comme tu es la police, viens alors m'obliger à le lui remettre. Ya, toi aussi tu exagères. Je t'ai donné 200 000 francs ce matin. Il n'y avait qu'à... À faire quoi? C'était prévu pour ça. C'était son argent. Pardon, excuse ma vie. Écoute-moi ça. Tu parles de quelle vie? Cette misérable vie, hein? Une vie de parasite qui ne dépend que de la mienne. J'étais sûre que tu allais en arriver à ça. Change de disque. Le disque l'a rayé. Utilise même d'autres mots. Parasite et puis quoi? Je suis la seule parasite de ce monde. En plus, je suis ta femme. Sache que tout l'argent que tu sors travailler là-bas dehors, là, c'est pour que je dépense. Donc, je n'invente rien. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Et comment veux-tu qu'on devienne riche quand tu passes tout ton temps à dépenser ce que je ramène à la maison? Sache qu'un homme riche est celui qui gagne plus que sa femme. Il ne peut en dépenser. Toi, je suis sûr qu'un de ces quatre matins, tu finiras par t'empoisonner avec ton propre venin. Ne t'inquiète pas pour ça. À force, j'ai fini par fabriquer l'anti-venin. Allô, bonsoir papa. Oui, allô ma princesse.